ma vie. J'aimerais pouvoir quand même m'exprimer. C'est très simple. Je me tue à vous dire, elle a disparu devant l'église. Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Elle a changé d'avis au dernier moment. Monsieur, je me viens, mon petit bébé a disparu. Oui, vous avez compris, mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait des heures qu'elle a disparu. Non, elle est enfin de... Mais dis pas n'importe quoi. Ce que je pense, excusez. Et qu'on se calme tous. Je vous remercie. Assieds-nous. Bon, Monsieur Belcourt, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Oui, ma fiancée était en retard au mariage. Elle a appelé sa maman pour dire qu'elle avait un quart d'heure de retard, mais deux heures après, on n'avait toujours pas de ses nouvelles. Donc on l'a cherché partout, mais la seule chose qu'on ait retrouvée, c'est le J9 qui est conduisé, garé devant l'église. Ah, votre fiancée s'est rendue à son mariage en J9? Oui, oui, enfin bon, ça c'est une longue histoire. Toujours est-il que je suis sûr qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Ah ben, ça peut-être, Monsieur Belcourt, mais la seule chose que je peux faire pour le moment, c'est rédiger un rapport et attendre. Attendre? Oui. Attendre quoi? Un délai de 24 heures, jusqu'à ce qu'elle soit officiellement considérée comme disparue. Donc vous comptez ne rien faire jusqu'à demain? Ah ben non. Vous avez même pas interrogé Anna? Anna? Ah oui, Anna, c'est celle qui a essayé de vous écraser en voiture, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est la nana que Stéphane s'est tapée à la fête de Noël du bureau. Une seule fois, il y a 2 ans. Oui, mais bien. Et quelqu'un peut me donner une description de cette Anna? Oui, elle est assez grande. Des grands yeux, des cheveux châtains, plutôt... quelconque. Quelconque, super fion. Hein? Non, notez-le, super fion. C'est secret comme ça, fion. Et vous pensez que cette Anna aurait quelque chose à voir avec la disparition de Tirzé? Oui, oui, elle est complètement timbrée. Qui ça, Anna? Évidemment. Elle est peut-être allée chez Jean-François Barnier. Qu'est-ce qu'elle serait allée faire chez Jean-François Barnier? Elle lui a téléphoné le soir de son enterrement de vie de jeune fille. Quoi? Et qui est ce Jean-François Barnier? C'était son ex avant Stéphane. Jean-François Barnier. J'aimais bien Jean-François Barnier. Ouais, ils ont une conversation. Une conversation assez longue. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ce Jean-François. Il lui est arrivé quelque chose de grave, j'en suis sûr. Un garçon bien sympathique. Ouais. Et quelqu'un aurait le numéro de téléphone de ce Jean-François Barnier? Ouais, moi je l'ai. Je vais aller le chercher. Merci beaucoup. Une petite douceur, ça vous ferait plaisir. Ça, c'est très gentil. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cake avec une petite griotte au milieu. Un peu de canal aussi. Mais oui, c'est délicieux. Hein, c'est bon. Non, mais est-ce qu'on pourrait revenir à la disparition de ma fiancée? On y est. On attend le numéro, puis on y retourne. Ah, mais vous en faites pas, je suis sûr qu'elle va réapparaître. C'est ce qui se passe dans 9 cas sur 10. Ouais, je vois bien que ça va pas vous empêcher de dormir. Monsieur Belcourt, on a un service des personnes disparues extrêmement compétent. En fait, nous n'avons connu qu'un seul échec au cours de ces 3 dernières années, et encore, je trouve un peu injuste qu'on nous en tienne rigueur, parce qu'on a retrouvé le corps. C'est juste la tête qu'on n'a jamais réussi à localiser. Tenez-moi au courant si vous avez des nouvelles. Allez, on y va. Je vous avais dit qu'il irait bien. Ouais, enfin, elle a quand même failli finir au fond du fleuve, quoi. Ah, elle s'en sort toujours. Oh, Mélanie. Doucement. Oh, ça va. Aïe. Ah, pourquoi tous failli me tuer? Mais attends, mais j'allais quand même pas l'épouser. Pauvre taré. Calmez-vous. Sur vous. Respirez un petit peu.